Bienvenue au visio-débat du groupe de réflexion de Haïti Connexion, patronné par Carl et Hervé Gilbert, fondateurs du réseau Haïti Connexion, dont l'objectif est de promouvoir au sein du grand public la culture, l'information. Haïti Connexion est une oasis pour les échanges culturels, intellectuels et scientifiques. Ce soir, nous avons un invité de marque, un panel de personnalités variées que je vais vous introduire instantanément. Il me fait un grand plaisir de présenter d'abord notre invité spécial, Dr. Samuel Pierre. Dr. Pierre est professeur titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal. Il est aussi très actif dans la reconstruction d'Haïti à travers GRAN, un monde qui travaille pour l'émergence d'une Haïti nouvelle. Monsieur Pierre a obtenu plusieurs récompenses de prestige au fil des ans, dont le prix Poly 1873 pour l'excellence en enseignement et en formation de Polytechnique à Montréal. En 2000, il a reçu le titre de Fellow de l'Institut canadien des ingénieurs. En 2003, il a reçu le prix d'excellence en enseignement de Polytechnique Montréal. En 2005, il a reçu le titre de membre de l'Académie canadienne du génie. Et en 2008, le titre de Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2009 et le titre de Membre de l'Ordre du Canada en 2011. Le gouvernement du Québec avait décoré le Dr. Pierre au grade de Chevalier la plus prestigieuse des distinctions de l'État québécois. Dr. Samuel Pierre, professeur à l'Université Paris 7, est le premier Noir à devenir membre à part entière de l'Académie canadienne du génie. Bienvenue, Dr. Pierre. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir de vous présenter les panélistes qui participent dans le visio-débat de la soirée. Carl Gilbert, chirurgie professant dans la ville d'Arkansas. Eddie Cavé est un jurilinguiste ottawa converti à l'écriture depuis plus de 10 ans. Hervé Gilbert, ingénieur de profession et coordonnateur de la revue de Haïti Connexion. Le Marek Destin est un professeur retraité, il est aussi un historien et auteur. Lionel Dorismont est un ingénieur de profession et Max Dorismont, gestionnaire financier, retraité et chroniqueur. Michel Le Gagneur est détenteur d'un bachelier en génie électrique et d'une maîtrise en physique avec spécialisation en physique médicale et nucléaire. Michel est l'auteur de bon nombre d'articles, entre autres, sur l'environnement physique d'Haïti et la production d'énergie. Docteur Édouard Pinard est chirurgien dentiste pratiquant à Montréal. Et moi-même, Emmanuel Gilles, je suis analyste de programme dans une organisation internationale. Et j'ai aussi une longue expérience dans le domaine de développement et droits humains. Docteur Samuel Pierre, vous êtes réclamé de partout, au niveau national et international. C'est un très grand honneur de nous accorder cette audience. Nous anticipons déjà un fructueux débat entre vous et nos panélistes, dont certains auront la possibilité de découvrir le grand chercheur. Et d'autres comme Hervé Gilbert et Max Dorismont savent que vous êtes un point de référence non négligeable à placer entre les mains de nos progénitures en guise de boussole. Max Dorismont, d'ailleurs, dans son article sur le Nouvelliste, admet que votre contribution a laissé des empreintes sur la classe affaires du Canada, au point où la communauté haïtienne en diaspora vous tient à cœur. Merci, Dr. Samuel, d'être parmi nous. Nos auditeurs apprendront de vous ce que représente le GRAN et comment vous concevez la construction d'une Haïti nouvelle à travers le GRAN. Vous avez donc la parole, Dr. Samuel Pierre. Okay. Merci beaucoup, Madame Gilles, de votre généreuse présentation. Je remercie aussi et toute l'équipe de Haïti Connection d'avoir pensé à moi, par l'entremise de mon ami Max Dorismont, qui a servi d'intermédiaire et à qui je n'ai pas pu dire non. Alors Max, une fois de plus, tu m'as convaincu de participer, mais il faut dire aussi que j'ai l'opportunité d'être en contact avec Haïti Connexion et j'aime bien ce que vous êtes en train de faire et c'est la raison pour laquelle la tâche ne t'a pas été trop difficile. GRAN, c'est le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Et j'aime le répéter, le GRAN, c'est le premier think tank de l'histoire d'Haïti. Dans l'histoire du pays, nous avons l'habitude d'avoir des partis politiques,
ils étaient nombreux dans l'histoire, il y en a encore aujourd'hui, pléthorique. Et nous avons également eu des mouvements littéraires qui ont porté différents noms. Mais il n'y a jamais eu dans notre histoire de think tank, c'est-à-dire des groupes de personnes qui se réunissent, non pas sur une base idéologique, non pas pour s'accaparer du pouvoir politique, mais pour réfléchir, pour faire des propositions dans le sens d'améliorer la société. Donc, je dois vous dire que dans toutes les sociétés qui fonctionnent, il existe des groupes de personnes qui s'intéressent à améliorer la société, à faire en sorte que la société se porte mieux, à la fois au présent, mais également au futur. Alors, un think tank, c'est ça son but. Et par-delà toute question d'ordre idéologique, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que Haïti se porte mieux. Et notre action se situe dans la longue durée, laissant la place aux politiques de s'occuper du quotidien, de s'occuper de l'intendance, de s'occuper de ce qui est, de ce qui constitue l'actualité. Nous sommes une organisation de vigie citoyenne, donc nous faisons une observation, mais une observation active de ce qui se passe dans le pays. Nous sommes laïcs, nous acceptons l'idée de la religion, nous acceptons des personnes venant de toutes les religions, nous acceptons les personnes qui n'ont pas du tout de religion, dans un esprit de totale tolérance, où la discussion porte sur la recherche de la vérité. Et nous sommes fondamentalement une organisation apolitique. Ce que ça veut dire, c'est une organisation qui ne fait pas de politique partisane. Mais on ne vous cache pas que nous faisons de la politique citoyenne. Quand vous présentez comme une organisation qui travaille pour le bien commun, pour l'intérêt général, et pour plus de démocratie, pour une société moins inégalitaire, eh bien, il n'y a pas plus politique que cela. Mais il s'agit là d'une politique partisane, au sens noble du terme. Ce qui m'amène à vous parler de la vision du GRAN. C'est quoi une Haïti nouvelle pour GRAN? Une Haïti nouvelle, ce qui est notre vision pour Haïti, c'est une société démocratique, et je reviendrai sur chacun des termes, ouverte, plus inclusive, moins inégalitaire, fondée sur le droit, la solidarité, le partage, l'éducation, le culte du bien commun et la conscience environnementale. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler sinon d'Haïti nouvelle, mais de changer de système, de nouveau de système. Il y a eu des manifestations pour changer de système. Mais quand on change de système, il faut en proposer un autre. Je n'ai pas vu beaucoup de propositions d'un nouveau système ou d'un nouveau pays. La vision du GRAN est une vision d'un nouveau pays, d'une nouvelle société. Voyons ce que ça veut dire chaque terme. Une société démocratique. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, il y a beaucoup de personnes qui pensent que est-ce que la démocratie, ça convient à Haïti? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une dictature? Quelquefois, ils ne parlent pas de dictature, mais ils disent nous voulons d'un État fort, d'un gouvernement fort. Et ces mots-là ne sont pas neutres. Ça cache une subtile admiration pour tout ce qui est musclé. Ça cache une admiration pour le retour en force de l'État oppresseur, sous prétexte qu'on va avoir en contrepartie de l'ordre dans la société, la capacité de bouger comme on veut, moins d'insécurité. Alors je vous mets en garde, je dis à cette jeunesse-là qui se laisserait tenter par de telles idées, la démocratie ce n'est pas une réalité, c'est un idéal. La démocratie c'est quelque chose vers laquelle on tend. La démocratie, c'est quoi? C'est admettre que chacun peut avoir son opinion et que cette opinion-là, elle n'est pas unique. Et malgré tout, on garde le canal de la communication. On accepte de dialoguer malgré la divergence d'opinion. C'est un peu ça, la démocratie. La démocratie, eh bien, c'est aussi le fait que eh bien, tout le monde est égal devant la loi. Moi, j'ai vécu dans la dictature en Haïti. Il y avait des choses qui étaient interdites au commun des mortels. Mais le président et son fils et ses acolytes avaient la liberté de faire tout ce qui était interdit aux autres citoyens. C'est la raison pour laquelle nous croyons beaucoup dans la démocratie. Nous voulons d'une société ouverte, une société plus inclusive. Haïti n'est pas une société inclusive. On exclut les paysans,
on exclut mon la ville, mon dehors, mon anda, mon la ville, mon en dehors, on exclut la diaspora. Et ceux qui sont dans la diaspora, eh ben, ce n'est pas des citoyens à part entière. Il y a tout un pan de droit qui leur est refusé. On exclut les femmes. Les femmes, malgré toute leur utilité, leur importance dans la société, n'occupent pas la place qui leur revient. Haïti, c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, parmi les 8-9 pays au monde les plus inégalitaires. Toute forme d'inégalité, sociale, économique, institutionnelle, éducative, c'est un pays qui n'est pas fondé sur le droit. Des fois, je me demande à quoi ça sert les avocats, parce que on ne peut pas plaider une cause, parce qu'il n'y a pas un système judiciaire qui est au-dessus de tout soupçon. On a des juges qui sont corrompus, ensuite qui vendent la justice. La solidarité, on en avait, on l'a perdue. Le partage, c'est la même chose. L'éducation, on en a, peut-être en quantité, mais pas en qualité. Et le culte du bien commun, c'est un mot que l'on ne connaît pas en Haïti. La notion du bien commun. Tout coucou éclairé pougé. Donc, il n'y a pas de bien commun. La conscience environnementale, il suffit de survoler le territoire haïtien et vous allez voir que cette conscience environnementale, tout au moins dans les faits, n'existe pas. Donc voilà ce qui nous motive dans cette vision-là. C'est très bien. Merci, docteur. Et je sais que les panélistes ont des questions à vous poser par rapport à votre contribution et au niveau de l'organisation GRAN. Donc, on va commencer d'abord par Carl Gilbert qui a la toute première question à vous poser. Carl? Hi. OK, je suis Carl Gilbert. Merci, docteur Pierre, d'être venu nous parler un peu de votre organisation. Je sais que cette organisation existe depuis un certain temps et qu'elle fait des merveilles dans une région d'Haïti. Donc, nous avons entendu ce que vous aviez à dire à propos de cette organisation, à propos des propositions, des objectifs pour l'organisation. Mais vous avez aussi évoqué le manque de structure et d'infrastructure qui existe en Haïti. Donc, je sais aussi que votre organisation veut former une nouvelle génération d'étudiants, d'individus qui auront à prendre la relève, je dirais. Alors, si je me trompe, vous pouvez... Donc, vous avez bien lu. C'est correct. Donc, étant donné que nous assistons maintenant à une décadence plus ou moins rapide des structures, je me demande comment cette nouvelle génération, cette pépinière, si je dois employer ce mot, va combattre un problème majeur qui existe maintenant en Haïti, c'est la corruption. Donc, comment vous pensez que cette pépinière pourra faire en sorte et qu'elle solutionne ce problème majeur qui entrave le développement d'Haïti? Merci. D'accord. Bon, docteur Gilbert, et votre question est vraiment au cœur du débat, mais je vous dirais que le problème d'Haïti, ce n'est pas un problème de corruption. Et la raison en est que dans tous les pays, y compris au Canada, y compris aux États-Unis, il y a de la corruption. Il y a de la corruption. C'est un phénomène humain qui a existé de tous les temps. Et au Canada, mes amis du Canada le savent, eh bien, il y a eu la commission Charbonneau qui a mis à nu toutes les pratiques de corruption qu'il y a eu au Québec, et ceci de façon récurrente. À chaque 20-30 ans, eh bien, on découvre des histoires de corruption dans ce pays. Et pendant la commission Charbonneau, où on déballait sur la place publique tout ce qui se pratiquait comme corruption,
J'avais l'opportunité de lire un journal qui datait de 1901 au Québec, où c'était les mêmes histoires qui s'étaient passées au début de 2000. Donc, ça veut dire, dans toutes les sociétés, il y a un courant de corruption. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est dans l'impunité. Et c'est ça le problème d'Haïti. C'est un problème d'impunité. Est-on capable de mettre, et c'est lié avec la notion d'état de droit. Dans un état de droit, première règle dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Personne n'est au-dessus de la loi. Eh bien, j'ai vu au Canada, comme caractéristique d'état de droit, où il y a de la corruption, eh bien, j'ai vu le vérificateur général du Canada, l'année dernière, pincer le Premier ministre Justin Trudeau, parce que le Premier ministre du Canada avait reçu, peut-être sans y penser, avait reçu un cadeau dont la valeur dépassait 300 dollars. Et un représentant de l'État, quelque niveau que ce soit, n'a pas le droit de recevoir un cadeau qui dépasse un certain seuil de valeur. Eh bien, quand le vérificateur du Canada a découvert cette situation-là, eh bien, il a poursuivi, il a demandé à M. Trudeau, est-ce qu'il l'avait bien fait? Donc, ça a été vérifié. Oui, j'ai reçu ce cadeau. Eh bien, est-ce que vous savez ce que valait ce cadeau? Probablement, il ne le savait pas. Eh bien, on l'a informé que ça dépassait le montant permis par la loi. Eh bien, il a dû payer. Il a dû payer. Et c'est ça, l'état de droit. Le Premier ministre ne peut pas évoquer son statut de Premier ministre pour échapper aux rigueurs de la loi. Et c'est ça qu'on appelle la règle du droit, où personne n'est au-dessus. Dès l'instant où on te reconnaît comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'incorrect, que ce soit un crime, oui, dès que ça arrive, eh bien, il faut que des mesures soient prises. Et c'est ça qui manque en Haïti. C'est pas la corruption, oui, et il faut l'enrayer, mais pour commencer à l'enrayer, la première chose à faire, c'est de mener la bataille pour l'état de droit. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça qui nous manque en Haïti. C'est l'état de droit, qui commence par la lutte contre l'impunité. Alors, je vous informe que j'aurai à vous parler de l'ISTEA. Eh bien, l'ISTEA a le projet, et je vous en donne la primeur, et de monter une chaire qui va s'appeler chaire sur l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Maintenant, c'est le tour de Eddie Cavé qui va vous poser la deuxième question. Bonjour Samuel, Eddy. Bonjour Eddy. Bon, moi je crois connaître déjà la réponse à la question que je pose, mais je la pose pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Et elle a trait à la contribution que le GAN va apporter au développement, et en passant par, je crois, le volet premier de son action sur le terrain, qui est l'éducation. Et Max Dorismond avait récemment un article où il parlait d'une sorte de pléthore d'établissements d'enseignement, même de niveau universitaire. Bon, je n'ai aucun doute que l'institut que le GAN a monté dans le Nord, ne fait pas partie de ces écoles morlettes. Mais ça va être quelque chose du calibre de ce que l'on a au Canada et dans les meilleures universités. Toutefois, j'aimerais que tu précises pour nous autres la manière dont le GRAN va contribuer au développement, à un développement durable, en passant par l'éducation comme premier pôle. D'accord. D'abord, Edith, tu as fait état des universités Borlette. En général, Haïti n'est inventeur de rien, sauf peut-être de l'indépendance des Noirs. C'est la seule société qui a réussi à se libérer du joug du colonialisme comme pays noir en menant une bataille. C'est la seule invention qu'Haïti a faite. Tout le reste est un point de l'Occident. Tout le reste, tout le reste. La corruption est un point de l'Occident. L'Afrique. Je dirais non, je dirais de l'Occident. Je dirais de l'Occident. La corruption a été inventée par l'Occident. Quoi qu'ils en disent aujourd'hui, la corruption a été inventée par l'Occident. Si on prend les écoles Borlette,
Est-ce que vous connaissez le pays où il y a le plus d'écoles Barnett, c'est les États-Unis? Je vous donne une référence. Jamais. Il y a un auteur qui s'appelle Cathy O'Neill. O'Neill s'écrit O-N-E-I-L. C'est une mathématicienne de formation qui a fait son doctorat à Harvard, qui était universitaire, elle était prof d'université. Et avec une âme de militant, elle a laissé tomber sa carrière universitaire pour aller travailler dans l'industrie et surtout devenir activiste. Il était dans Occupy Wall Street, des choses comme ça. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle, le titre en français, c'est Algorithme. Et dans ce livre-là, il décrit les injustices qui existent dans le système américain, avec différents exemples dans différents champs d'activité. La justice, c'est au sommet. Il parle de l'injustice faite envers les Noirs. C'est une blanche. Son père et sa mère sont des profs d'université. C'est une blanche, pure blanc. Et c'est elle qui décrit. Elle parle du système judiciaire américain. Comment ce système judiciaire-là fait du tort aux Noirs. Elle parle du système éducatif. Dans le système éducatif, elle décrit la quantité d'écoles Barnett qui existent. Obama a voulu s'y attaquer, il n'a pas réussi. C'est des écoles, c'est des universités où tu vas avoir un recteur, un président d'université qui va gagner 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars de salaire par année. Or, dans aucune université au monde, une université qui se respecte ne peut pas donner de tels salaires à un président. C'est que de telles universités, ce sont de vraies écoles Barnett. C'est des écoles où tu vas donner des diplômes aux personnes avec une mauvaise formation. D'ailleurs, le budget de marketing, de promotion de ces universités-là, dans leur budget, vous allez trouver 60 à 70% du budget qui est réservé au marketing, faire de la promotion, et le reste pour l'académique. 30-40% pour l'académique. C'est vous dire que ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la recherche, c'est autre chose, c'est de la business. Obama a voulu s'y attaquer, il n'a pas réussi. C'est pour vous dire, ce sont de vraies écoles Barnett. C'est des écoles qui ne sont même pas connues dans le quartier où ils sont. C'est des écoles qui vont donner des diplômes aux gens. Et pour vous donner une idée de la perversité et de l'injustice que ce système-là crée aux Noirs, on va dire dans la publicité, voilà les profils de personnes qu'il faut aller chercher. Vous prenez une femme noire, monoparentale, qui n'a pas de travail, qui a besoin d'estime de soi. Pour obtenir cette estime de soi, eh bien, il faut qu'il ait un diplôme universitaire qui va faire d'elle une personne. Ce diplôme universitaire va donner l'impression à cette personne-là qu'elle a une personnalité, qu'elle a une dignité, qu'elle s'est anoblie. Mais cette personne-là, eh bien, après le diplôme, ne pourra même pas travailler parce que son diplôme n'a aucune valeur auprès des employeurs. Mais l'avantage que présente une telle personne, c'est qu'elle va trouver le financement pour payer, étant donné qu'elle est monoparentale, qu'elle est femme noire. Donc, il y a un programme gouvernemental qui va aider ces femmes-là à payer une formation universitaire qui ne débouche sur rien du point de vue de la perspective de vie. Voilà l'esprit dans lequel sont nées des universités Barnett, et il y en a beaucoup. Obama a voulu s'y attaquer, ça n'a pas marché. C'est un gros lobby, il n'a pas réussi à le faire. En Haïti, il y en a plein comme ça. Il y en a plein parce qu'il y a une demande sociale d'éducation. Les gens ont besoin de se former, donc ils ont besoin d'aller à l'université. Alors, ma réponse, elle est toute simple à votre question d'importance. C'est la bonne graine qui chasse la mauvaise. Aux États-Unis, c'est le bastion des écoles Barnett. Mais il y a Harvard, il y a MIT, il y a Yale, il y a Princeton, il y a Caltech. Eh bien, les personnes qui veulent envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles, eh bien, elles savent où les envoyer. Elles savent où les envoyer. Eh bien, c'est la même chose qu'on doit faire en Haïti. On doit offrir des programmes de qualité avec le temps. Une fois que le travail est bien fait, les gens vont le savoir. Vous ne savez pas, vous ne pensez pas que les familles haïtiennes qui sont très soucieuses de l'éducation de leurs parents ne connaissent pas les bonnes écoles? Il y a de très bonnes écoles en Haïti.
eh bien, les parents avisés envoient leurs enfants dans ces bonnes écoles. Maintenant, c'est à l'État de faire son travail, à l'État de faire en sorte que les mauvaises universités ne pilulent pas, mais encore faut-il que l'État offre, fasse une offre aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Parce que si l'État n'est pas capable d'amener l'Université d'État d'Haïti et le réseau des universités publiques à améliorer leur offre éducative, l'État n'est pas assez exemplaire pour aller exiger la même chose des universités privées. Mais dans notre cas où on a créé l'ISTEA, eh bien, on veut arriver à offrir une formation de très haute qualité aux gens pour que les personnes avisées puissent venir vers nous. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Eddy. Oui. Bon, je trouve bon, que tu as une certaine tolérance envers la corruption et la question de la responsabilité de l'État dans son tamisage, disons, à l'entrée de la université. Non, mais c'est un point de vue que la bonne graine de chasser la mauvaise, ce serait l'idéal si ça pouvait aller de soi. Mais je crois aussi que il y a un peu d'ordre quand même à mettre dans ça. Mais, dans quoi? Dans la prolifération. Eddy, tu as parlé de tolérance, il n'y a pas de tolérance. Je t'ai donné un point de vue. Objectif. Ah non, je l'accepte. D'accord. Le point de vue, pour la première question de corruption, je te dis que philosophiquement, tu ne peux pas combattre la corruption si tu ne mets pas en place ce dispositif de lutte contre l'impunité. C'est l'un marche avec l'autre. C'est les deux. Si la personne qui s'avise à faire de la corruption sait que rien... Prenons la question de la criminalité. On tue n'importe qui, la personne a la garantie qu'il ne sera pas poursuivi. On ne mettra jamais la main dessus. Mais c'est très dangereux, ça. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui a mal à partir avec quelqu'un en Haïti qui est à l'étranger et qui délègue un criminel de l'étranger bien entraîné pour aller tuer cette personne en Haïti parce que la personne a l'assurance que rien ne va lui arriver. Rien ne va lui arriver. Alors, comment on va combattre ça? Eh bien, la seule façon de le combattre, c'est de mettre en place un système judiciaire qui soit supporté par une volonté politique d'arriver à la justice, première condition. Et la deuxième, il faut qu'il soit compétent, le système judiciaire. Parce que pour mener des enquêtes, ça prend des personnes compétentes pour mener ces enquêtes-là. Si vous n'avez pas la compétence, même avec la bonne volonté politique, vous n'arriverez pas. Donc, poser comme ça, ça nous met devant notre responsabilité. D'abord, d'avoir une volonté politique de rendre justice. Et la deuxième chose qui va avec cette volonté-là, c'est de développer la compétence pour le faire. Sinon, tu ne pourras pas donner des résultats. Une fois que ton système judiciaire est correct, le reste du travail va se faire par l'éducation. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, moi, je ne savais pas que c'était de la corruption. Vous arrivez en quelque part et à la DGI, et pour acheter votre certificat et d'identité, d'identification, eh bien, un fonctionnaire te dit, si vous me donnez 50 goudes, plutôt que de faire la queue pendant 3 heures, je vais te le donner. Et il y a des gens qui vont te dire, moi, je ne savais pas que c'était de la corruption. Alors là, c'est là où l'éducation va jouer. L'éducation va dire, puisque vous êtes payé pour faire un travail, vous n'avez pas le droit de recevoir de l'argent à côté pour rendre le service qui est demandé. Là, l'éducation va jouer. Mais ça, c'est de la petite corruption, ça. C'est de la petite corruption. Donc, la grande corruption, ben, pour s'y attaquer, c'est un dispositif de lutte contre l'impunité qu'il faut mettre en place. Ensuite, si on revient sur l'université, c'est un peu la même chose. Comment vous allez combattre l'université? Les gens veulent aller à l'université. L'État ne s'en occupe pas. Il y a des privés qui prennent l'initiative. Bien intentionné ou mal intentionné. Pour qui l'État pourrait se prendre pour aller dire à ces personnes-là de ne pas ouvrir leur université sous prétexte que c'est une université borlette? Est-ce que l'État a de bonnes universités d'État? Est-ce qu'il en a en quantité suffisante par rapport à la demande? Mais si vous n'en avez pas, quel est le pouvoir? D'où allez-vous puiser votre légitimité pour dire aux gens de ne pas ouvrir l'école? Parce que vous n'en avez pas ouvert. Vous n'en avez pas ouvert. Vous pouvez prendre des mesures musclées.
Vous pouvez prendre des mesures musclées, il faut les fermer. Et ce ne serait plus de la démocratie, là. Ce serait de la dictature, là. Parce que vous allez fermer des endroits et sans jamais offrir. C'est comme pour les maisons qui sont mal bâties. Vous allez les détruire, mais est-ce que vous avez fait votre devoir d'État d'offrir un logement aux personnes pour les déloger? Donc, c'est en ces termes que cela se pose. Je suis entièrement d'accord avec vous, docteur Pierre. Je dis toujours que s'il y avait un État de droit, la corruption aurait été mieux adressée de même que la criminalité. Tout à fait. Il y a les problèmes que l'on définit, mais il y a aussi les causes. Tout autant que nous n'abordons pas les causes, les problèmes continueront d'exister. Je suis très content de ça. J'ai toujours pensé. Je suis très content de ça parce que en Haïti, et c'est là le danger du discours ambiant, le discours ambiant, c'est un discours qui s'accommode d'anecdotes. Qui s'accommode d'anecdotes et qui reste aux symptômes des choses. Quelqu'un qui vient chez le médecin et qui dit j'ai eu le mal de tête, et un médecin vient là toujours bal café, non, ou bien baconné et aspirine, ça n'arrête pas le problème. Et mal de tête là, c'est un symptôme, un mal qui est probablement plus profond que ça qui paraît là. En Haïti, on passe beaucoup d'énergie à raconter les choses sous forme d'anecdotes. Ah, il n'y a pas de travail. Ah, et les gens ont faim. Mais il n'y a pas de travail, pourquoi? C'est quoi la cause de ça? Les gens sont faits. Pourquoi? C'est quoi la cause profonde de ça? On ne nous a pas... Et c'est ce qu'on fait à l'ISTEA. On établit la nature des problèmes avec les gens. Pourquoi le pays est pauvre? Quels sont les problèmes qui font que le pays est pauvre? Comment ces problèmes-là sont liés entre eux? Comment on va s'en sortir? Là, on laisse le stade de l'anecdote et de la complainte éternelle. Les Haïtiens, ils sont forts là-dedans. Ils passent leur vie à dire que le pays va mal, le pays va ceci. C'est très facile de dire ça. C'est très facile. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir la sagesse d'examiner les causes en profondeur. Voilà. De reconnaître la complexité du problème. Et de savoir que ça ne sert à rien de critiquer le gars qui est en face. Parce qu'il y a des politiciens qui sont venus me voir. Ils voulaient avoir un échange franc avec eux. Je leur dis, vous me parlez de Jovenel, là. Est-ce qu'il est un Dominicain? Il est un Jamaïcain? Il est un extraterrestre qui est venu débarquer? Non, il vient de nous, il vient de nos écoles, il vient de nos communes, il vient de nos quartiers, ils sont nos cousins et frères. Alors, s'il devient un bourreau de son peuple, qui en est responsable? Alors, oui, vous allez l'abattre, mais qu'est-ce qui vous assure que la personne qui va le remplacer ne va pas être du même acabit? Alors, ça nous renvoie l'image de nous-mêmes. C'est l'image de nous-mêmes. La manière dont il se comporte, c'est une manière haïtienne de se conformer, de se comporter. C'est une manière haïtienne. Si vous posez le problème comme ça, vous allez mal le poser. Ce qu'il faut dire, quel est le système qui est mis en place, qui fait en sorte que, quel que soit l'individu que tu prends, ou encore ceux qui se présentent, parce qu'il y en a plein qui ne se présentent pas, tu rentres ce personnage-là dans un système politique, et ce système politique en sort un monstre qui devient bourreau de son peuple. Alors, si vous vous êtes intéressé uniquement à la sortie du système, ça veut dire le bourreau que vous n'aimez plus, que vous cessez d'aimer, eh bien, qu'est-ce qui vous assure que le prochain qui va vouloir le remplacer ne va pas se comporter de la même manière? Alors, je suis informaticien, je sais que la question se trouve dans le système. La machine qui fait en sorte que quand tu rentres une personne, ce qui en sort, c'est un monstre, c'est cette machine-là qu'il faut questionner. D'où la même préoccupation pour trouver la cause profonde des choses. Pour qu'on ne reste pas au niveau anecdotique. À niveau anecdotique, on a passé notre vie à détester les présidents. Voilà. Tous ceux qui sont passés, on les a tous détestés. Mm-hmm. Ce n'était pas le cas quand ils étaient arrivés. Ils avaient au moins le soutien populaire. Et pourquoi on ne s'intéresse pas à la cause? Qu'est-ce qui fait que, quand ils arrivent dans le système, ils sont pervertis en bourreau? C'est ça la bonne question. Très bien. Ok, la prochaine question, c'est le Marek Destin qui va la poser. Le Marek. Donc, ma question. Il y a une bonne. Ok. La question que je voulais vous poser. Les diplômés, les étudiants qui seront diplômés à l'ISTEA, ISTEA Gam, ou ceux qui sont diplômés déjà,
seront des diplômés porteurs de formation de haut niveau. Connaissant l'appétit des pays du Nord pour ce type de clientèle et la stratégie de leurs chasseurs de tête pour les attirer, en tant que penseur, je sais de quoi je parle, en tant que penseur, initiateur de ce projet-là et de divers projets, avez-vous déjà élaboré des scénarios ou bien en pensant des stratégies de rétention de cette clientèle? Voilà. C'est une très bonne question, et le Maître. Et d'abord, on a créé l'ISTEA, c'est pour inverser une tendance catastrophique. D'après les chiffres de la Banque mondiale, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai retrouvé, disons, un très beau tableau. C'est un graphique qui indique que Haïti est le plus grand exportateur de talents au monde. Haïti est le plus grand exportateur de talents au monde. D'après ces statistiques, 84% des pays de plus de 5 millions d'habitants. 84% des pays qui ont plus de 5 millions d'habitants. Et en Haïti, tu vas trouver 84% des personnes qui ont un diplôme post-secondaire à l'étranger. Donc, nous en faisons tous partie. 84, ça veut dire sur 100 Haïtiens qui auraient un diplôme post-secondaire, il y en a 84 qui sont à l'étranger. Haïti est le premier pays dans cette catégorie-là. Le deuxième pays, c'est le Ghana. Le Ghana est deuxième avec 47%. 47. On parle de 84 à 47. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire comment le risque est grand que les gens quittent le pays. Maintenant, il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire. L'histoire, c'est que on a eu notre dictateur, François Duvalier, pour ne pas le nommer, qui a pris le pouvoir en 57. Avant 57, les Haïtiens quittaient Haïti pour aller étudier à l'étranger. Pour aller étudier à l'étranger, après avoir étudié, en général, ils retournaient en Haïti. Peut-être passer quelques années pour un petit peu mieux connaître la société, mais un Haïtien partait à l'étranger pour se former et retourner en Haïti. C'est avec François Duvalier qu'on a appris l'inverse. D'ailleurs, les premières générations n'avaient pas quitté de façon irréversible. Ils avaient quitté le pays avec l'intention d'attendre la chute de Duvalier pour revenir. Alors, il arrive que ce passage au pouvoir a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Eh bien, les gens y ont pris racine à l'étranger. Donc, c'est un phénomène qui est né avec Duvalier et aujourd'hui qui est bien enraciné dans la société. Tout le monde veut quitter le pays, etc. Mais je vais vous faire une observation. Malgré tout ça, est-ce que vous savez que, contrairement à plusieurs pays, la population d'Haïti n'a pas des couilles, hein? Aujourd'hui, on a 11 millions d'habitants en Haïti. 11 millions. 11 millions. Au Québec, on compense la perte de population avec l'immigration. Avec l'immigration. Aujourd'hui, le Québec a 8,5 millions d'habitants. Et pour se maintenir à ce niveau, eh bien, ils doivent compenser annuellement par un flot d'immigrants qu'ils font venir. Autrement dit, la société n'est pas capable de se renouveler et de maintenir sa population. Ce n'est pas le cas d'Haïti. Autrement dit, il y en a qui quittent, mais il y en a qui naissent et qui restent. Ce n'est pas le cas pour la Martinique, par exemple. La Martinique a une population autour de 350 et 450 000. Eh bien, les jeunes martiniquais ne veulent pas rester en Martinique. Hein. Ils ne veulent pas rester parce qu'il n'y a pas de débouché pour eux. Il n'y a pas de perspective. Ils sont dans la dynamique inverse. Ils sont en décroissance de population, en décroissance démographique. Haïti ne souffre pas du problème de croissance démographique. Par contre, il y a une évasion d'Haïtiens qui viennent des debout, du côté des personnes, des couches paysannes, parmi les plus dynamiques, qui quittent, qui prennent la mer pour aller dans les îles voisines. Donc ça, c'est un bout de l'immigration. Et vous avez un autre bout qui sont les personnes formées qui quittent le pays. Maintenant, ce que je peux vous dire, nos professeurs, si je prends les deux derniers qu'on a embauchés, on a embauché une femme
professeure de droit. C'est elle qui va occuper la chaire sur l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Elle a fait ses études de droit à Toulouse. Elle vit en Haïti. Elle n'a pas l'intention de quitter Haïti. Elle était à Toulouse, elle est rentrée. On avait la prochaine prof qui est déjà embauchée. C'est quelqu'un qui a fait ses études, baccalauréat, maîtrise, doctorat, à Moscou. C'est une jeune femme qui doit avoir 34-35 ans. Et elle a terminé sa thèse, on l'a embauchée comme professeure en sciences agronomiques. Elle doit rentrer en Haïti à la fin de septembre, parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de septembre, les frontières de la Russie sont fermées. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Elle est bloquée là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle elle aurait dû prendre son poste le 1er septembre dernier. Notre prochaine prof qu'on va embaucher, c'est quelqu'un qui travaillait pour nous déjà, qui est parti faire son doctorat à Genève, à l'Université de Genève, et qui termine sa thèse en novembre. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes dans une dynamique inverse. Parce qu'avec l'ISTEA, ça permet aux personnes qui ont quitté le pays pour aller se former à l'étranger d'avoir la possibilité de trouver un emploi à la hauteur de leur formation et de leurs aspirations, et au pays même. Parce que n'oubliez pas une chose, il n'est pas permis, il n'est pas aussi facile aujourd'hui d'aller vivre à l'étranger. Hein. C'est pas aussi facile, hein. Il fut un temps, l'étranger avait besoin de personne. Les Haïtiens ont dû quitter parce que ont dû rester ici, venir ici parce que l'Occident avait besoin de forces vives. Maintenant, les forces vives dont on a besoin ne se trouvent pas en Haïti. Les forces vives, là, sont pas en Haïti. On cherche des super vedettes, des personnes bien établies. Effectivement, il y a une compétition pour ça, mais à très haut niveau, à très haut niveau. Donc, c'est pas Haïti qui est le vivier. Pour de telles personnes, Haïti n'en est pas le vivier. Ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à donner de la perspective aux personnes qui sont à l'étranger. Quand tu es à Moscou, tu ne peux pas rester à Moscou. Quand tu as fait ton doctorat, tu dois quitter. Même en France, quand tu termines ta thèse en France, le meilleur move que vous pouvez faire, c'est venir au Canada ou aux États-Unis, avec les difficultés que cela comporte. Autrement dit, vous n'allez pas vous établir en France facilement parce que vous avez étudié en France. Parce qu'on n'en a pas besoin, ils ont déjà leur personne. Donc, pour terminer avec ma réponse, les personnes qu'on a, on a deux catégories. C'est des personnes à qui on donne la possibilité de rester dans le pays et de faire un travail qui ressemble à ce qu'ils aimeraient faire. Être prof d'université, et on le fait très sérieusement. On ne le fait pas à rabais. Donc ça veut dire que la personne va se sentir valorisée d'être dans un milieu qui ressemble un peu à l'endroit où il a reçu sa formation. La deuxième chose, nos étudiants, c'est qui? C'est les gens qui ont entre 35 et 50 ans, qui sont médecins, chefs d'hôpitaux, doyens, professeurs d'université, chefs de cabinet de ministre, bien établis dans leur milieu, qui ont des enfants, qui ont une famille. Ils ne voudront pas venir au Canada pour être chauffeur de taxi. Parce qu'ils ont déjà une idée de leur importance. Maintenant, est-ce que ça va rester comme ça? La situation d'insécurité qu'il y a au pays leur fera certainement poser des questions. Tout ce qu'on espère, c'est que cette situation-là se règle le plus vite possible pour que les gens se reprennent espoir. Parce que quand on n'a pas de l'espoir, eh bien, quelles que soient les bonnes raisons que l'on peut avoir pour rester dans un pays, eh bien, ces raisons-là ne vont plus tenir, surtout quand on a une famille qui fait pression sur nous. Donc, c'est nous, ce qu'on fait, on dit, on va mettre toutes les chances de notre côté, mais on n'est pas responsable de tout. On n'est pas responsable de la situation globale du pays. On fait de notre mieux. Mais on n'a pas toute la réponse. Très bien. Bon, on a une petite... OK, merci. Au niveau du temps. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer peut-être de raccourcir un peu les questions et les réponses. Donc, on va mettre... Hervé, est-ce que le problème... Merci, je suis là. Ma question est la suivante. Soyez bref. Docteur Pierre, merci d'être avec nous sur le plateau. Ma question est la suivante. On assiste aujourd'hui à une descente aux enfers, je dirais, d'Haïti. C'est l'État haïtien, même déliquescent. Le pays est, comme je dirais, gangréné par l'impunité et l'insécurité. Et ce climat d'insécurité, pour moi, ressemble à un pacte avec le mode de gouvernance mafieuse qui crée ce climat. Alors, le plan de Grane est-il réalisable avec le type de gouvernement que nous avons maintenant en Haïti? C'est ma question.
Oui, en fait, d'abord la situation que vous décrivez, j'ai été prendre un petit document, je vais vous lire rapidement, je sais que le temps nous fait défaut. Je vais vous lire un petit texte. Tout le monde s'inquiète. Aujourd'hui, la mesure est comble. Il n'y a plus une seule faute à commettre. Haïti est au banc des nations civilisées. Aujourd'hui, personne ne conteste la gravité du mal et l'imminence du péril. Tout le monde s'inquiète du lendemain. Mais ce mal qui a ses causes a aussi ses remèdes. Et cet ouvrage que nous offrons au public a précisément pour objet de reconnaître les unes et d'indiquer les autres. Qu'on nous permette de le dire, cet ouvrage n'est pas une œuvre de parti, c'est l'œuvre d'une conscience. Nous l'avons écrit avec une ardeur toute patriotique. L'heure est solennelle. Les souffrances sont des leçons. Est-ce trop demandé à celui qui désormais briguera l'honneur de diriger nos destinées, d'avoir tout au moins la science de la bonté? Est-ce trop lui demander de présenter un programme immédiatement réalisable? Alors, un peu plus loin, combien de pays ne pourrait-on pas citer qui, après avoir bien vu de bien près l'abîme, sont devenus des pays prospères, florissants, et cela à force de travail et d'application? Ne pourrions-nous pas en faire autant? Ne pourrions-nous pas employer les mêmes moyens d'organisation, les mêmes moyens de salut? Alors, ce document-là que je suis en train de vous lire date de 1915. Je l'ai trouvé à Louisiana State University. Louisiana State University, aux États-Unis. Ça date de 1915, qui nous parle de la gravité de la situation. C'est un état normal en Haïti. La situation est toujours grave. Le problème, c'est que on est toujours resté au stade de symptômes. On n'a pas cherché les causes profondes pour trouver les vraies réponses. On a plaigné. Essayons de comprendre. Aujourd'hui, on a un problème. Je vais vous le dire et je termine là-dessus. La goudre a fait un bond. On est arrivé à 122 gouttes pour $1. En une semaine, on est passé de 122 gouttes à 98 gouttes. Tout le monde content, mais pas grand monde qui dit ça fait bagaille sa fête là. Ça fait que bagaille sa fête là. Cette descente là, cette chute là du taux. C'est matière à réflexion. Est-ce que ça voudrait dire que cette montée était une montée artificielle, créée de toutes pièces? Mais on n'a pas posé la question, on est content. Nous content parce que et Goud la prend valeur. Nous content. Et on n'a pas posé les bonnes questions. Et c'est un peu ce qui nous a valu d'être là aussi. Quelle est la cause qui a fait ça? Quelle est exactement la cause qui a provoqué cette chute à Oudimash, cette remontée? Oui. On ne sait pas, en tant que société, on ne sait pas poser la question. Nous content, nous fait fête parce que le baisser. Eh bien, maintenant, on va passer à la prochaine question. C'est Lionel Dorismont qui va nous poser la prochaine question. Lionel? Samuel, écoutez, j'aimerais ça vous poser une question au niveau de l'ISTEA, parce que vous avez entendu parler des diplômés, OK? Mais vous avez parlé des professeurs que vous allez engager et tout. Mais vous avez les diplômés qui, demain, vont graduer, qui vont arriver sur le marché, est-ce que le pays offre un encadrement pour que ces diplômés-là puissent rentrer dans le système? OK? Je vais juste faire un parallèle que j'ai écouté à une radio haïtienne dernièrement. Un peu plus bref parce que oui, rapidement. OK? Où le gouvernement a décidé de former des 30 jeunes pour aller dans les corps diplomatiques. OK, ça c'est clair, ces jeunes-là vont partir à l'étranger ou créer des postes. Mais comment l'ISTEA va faire en sorte que ces diplômés vont rentrer dans le système haïtien facilement, au lieu, comme Destin disait, au lieu de partir vers l'étranger? Et d'abord, partir à l'étranger, c'est un choix personnel. On peut partir pour toutes les bonnes raisons. D'ailleurs, nous en sommes des exemples. On a toutes les bonnes raisons du monde pour partir et quitter le pays. Et il y a une petite phrase que tu as dit, Lionel. J'aimerais y revenir un tout petit peu. Qu'est-ce que le pays peut faire? C'est qui le pays? Le pays, ce n'est pas une personne. Il n'y a pas une personne qui s'appelle Haïti. J'avais un ami qui vivait aux États-Unis et il a décidé d'aller passer, de retourner en Haïti. Et je l'ai croisé en Haïti. J'ai dit, Ernst,
Comment tu vis en Haïti? Comment tu vois le pays? Il me dit, Samuel, depuis que j'arrive en Haïti, je cherche Haïti. Il dit, mais Hans, tu déconnes là. Tu es en Haïti, pourquoi tu me dis que tu cherches Haïti? Il dit, oui, Samuel, je cherche Haïti. Alors, j'avais fini par comprendre qu'il a tellement rencontré de gens qui parlaient d'Haïti de façon impersonnelle, il n'était pas concerné, il n'était pas dans Haïti. Il y a une personne qui s'appelle Haïti. C'est Haïti qui a fait. Donc, il y a une personne, c'est cette personne qui s'appelle Haïti qui a fait. Qui va faire? Quand je dis aux gens, je dis, il y a deux choses. Il y a des choses qui relèvent des sciences naturelles. C'est la nature qui les fait. La physique, la chimie, les lois de la nature, la pesanteur, la gravité, c'est des lois de la nature. Tout le reste, qui est l'organisation sociale, ça relève des sciences humaines. Ça veut dire, quand ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a une personne, un homme ou une femme qui n'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui avaient à organiser et qui ne l'ont pas fait. Alors, je reviens à ta question. Qu'est-ce que Haïti va faire? Alors, la question, c'est qu'est-ce que Lionel va faire? Qu'est-ce que Samuel va faire? Qu'est-ce que le Marek va faire? Qu'est-ce que Jovenel va faire? Qu'est-ce que le ministre va faire? Donc, ça, on devient tous responsables dans ce cas. Et on ne renvoie pas la balle. Nous pas prendre un petit cap, nous chita sous pelouse, n'a pas de match là. Non, on est des acteurs. On est des acteurs. Ce que nous faisons au GRAN, on fait notre action. On n'est pas spectateur. On ne reste pas. Moi, je ne prends jamais le temps de critiquer Haïti, sauf quand il faut le faire avec les bonnes personnes. Ce que j'essaie de faire, de ma position, avec les facilités que je peux avoir, avec les efforts dont je suis capable, j'essaie de faire en sorte que je ne porte pas de responsabilité dans le fait que la situation ne s'améliore pas. J'essaie de faire de mon mieux pour qu'au moins j'apporte une petite pierre pour dire j'ai porté assistance à personne en danger. Pour employer un mot très connu en Occident. Mais pour le reste, eh ben, c'est aux autres de le faire. Et très simplement, pour donner comme réponse, j'ai dit tout à l'heure que la plupart des personnes qui viennent à l'ISTEA, parce qu'on est aux études supérieures, ils ont déjà leur emploi. Ils ont déjà leur emploi. Et par exemple, j'ai reçu un beau témoignage de quelqu'un qui me dit, j'étais étudiante à l'ISTEA, ça m'a permis de faire mon travail de mère. C'est une femme, eh bien, elle est mère des CAI. Elle a dit, le fait d'avoir été étudiant à l'ISTEA, ça me permet de mieux faire mon travail. Et il y en a un autre qui fait son doctorat en sciences de la gestion. Il travaille à la DGI. Il m'a dit, Monsieur Pierre, j'ai suivi votre cours. Eh bien, on devrait enseigner ce cours à toutes les personnes qui sont présidents aujourd'hui ou qui voudraient être présidents demain. C'est sur la notion de responsabilité. Ce que je leur dis, ils disent, si vous voulez être responsable, si vous voulez être président, vous voulez être chef, il faut avoir le sens des responsabilités. Vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité aux personnes qui sont vos subalternes. Le président dit c'est le premier ministre dit c'est le ministre dit c'est son DG, et finalement la personne responsable, ça devient Octon Kabbalé-Laria. Ça ne peut pas être comme ça. Ensuite, quand on est éduqué comme ça, mais on va avoir un pays qui ressemble à Haïti. Parce que la responsabilité, ça remonte vers l'euro, et non l'inverse. Quand un ministère fonctionne mal en Occident, eh bien, le ministre concerné offre sa démission. Le chef peut ne pas accepter sa démission. Mais il dit, je suis responsable, ça s'est passé dans ma cour, je n'ai pas pu l'éviter, je donne ma démission. En Haïti, c'est l'inverse. Alors, c'est cette notion de responsabilité qui nous manque. Chacun assume sa part. Ensuite, les personnes qui sont au pays, eh bien, il faut leur faire un crédit d'intelligence. Ils savent survivre. La preuve, c'est qu'ils ont survécu. Il y en a qui n'ont pas quitté le pays. Ils ont survécu. Ce qu'il faut faire, c'est les outiller, leur donner de meilleurs moyens pour comprendre la réalité. Le reste, ils vont s'en occuper. Très bien. Merci, docteur Pierre. Maintenant, on va passer à Max Dorismont, qui est impatient de venir avec sa question. Max? Alors, oui, merci, Emmanuel. Donc, ma question, c'est que je connais très bien, bon, GRAN, en principe, c'est ma maison. Disons que je réfléchis à savoir est-ce que GRAN pourrait faire quelque chose pour le sud, bon pays, parce que GRAN est dans le nord, il s'est établi là, c'est vrai, c'est bien vrai,
le programme de GAN est très intéressant, universel, très bien pour Haïti. Mais est-ce que le Sud, un jour, va hériter des conseils de GAN, des écoles de GAN, des enseignements de GAN, va hériter d'un futur annonciateur pour Haïti? OK? Merci, Max. D'abord, je te dirais que le GAN, à travers l'ISTEA, est présent dans 7 villes du pays. Et les 7 villes sont Port-au-Prince, Milo, avant on était au Cap, maintenant on est à Milo, dans la Cité du Savoir. On est à Saint-Marc, on est à Inch, mais on est aussi au Caï, on est aussi à Jacmel, et on est à Miragouane. Ce sont des lieux, des villes où on a des sites avec regroupement d'étudiants. À Jérémie, on aimerait bien être là, dans la Grand'Anse. C'est le seul département du Sud auquel on n'a pas encore le droit de citer. Mais nous avons des étudiants. Nous avons 2 étudiants, un à la maîtrise et un au doctorat, qui sont à Jérémie. Exactement, précisément à Jérémie. Et on n'a pas de base. Maintenant, pour avoir une base, eh bien, il faut que la ville en question se manifeste et indique sa volonté d'agir avec nous. Je peux vous donner des exemples. Comment on est allé à Inch? Eh bien, il y avait une université, l'Université autonome de Port-au-Prince, qui a une filiale à Inch et qui nous a dit « J'aimerais que l'ISTEA vienne à Inch. » Et pour ça, eh bien, je suis prêt à mettre mes locaux à votre disposition. Vous n'avez rien à payer, vous venez parce que avoir des étudiants de maîtrise et de doctorat, ça veut dire que mes professeurs peuvent aller faire des études et j'ai un intérêt dans ça. On est allé là-bas, on est resté 2 ans avec l'UNAP et quand il fallait changer de lieu parce qu'on avait besoin de plus d'espace, il y a un prêtre qui était à Inch, qui avait une maison familiale. Il a dit, je vais vous louer ma maison, mais à moitié prix. Donc, de façon à ce que vous restiez à Inch. Et c'est ainsi que depuis 6 ans, on est établi à Inch. Et à Saint-Marc, les gens sont venus nous voir, les gens de Saint-Marc, ils disent, nous voulons avoir l'ISTEA à Saint-Marc. Et ce qu'ils nous ont offert, ils nous ont offert un espace dans une école. Ils nous ont mis 3 salles de classe à notre disposition. Ils nous ont proposé un bail de 5 ans à 0 $. Un bail de 5 ans à 0 $ pour être là. Au Cap où on était chez les sœurs de Regina Assunta. Les sœurs nous ont hébergés pendant 4 ans sans rien payer. Jusqu'au jour où on est parti dans nos locaux qui sont dans la Cité du Savoir. Donc, autrement dit, pour qu'on aille en quelque part, il faut qu'il y ait une manifestation d'intérêt de la ville en question. Une ville qui dit, je veux vous avoir, voilà ce que je suis prêt à faire. Parce que nous aussi, on est dans cette logique-là. Et nous avons 220 professeurs qui sont dans différents pays, le Québec, le Canada, les États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, le Maroc, le Sénégal, et l'Algérie, et la Haïti. Eh bien, mais ces personnes-là, ce sont des bénévoles pour la plupart, sauf les Haïtiens qui sont en Haïti. Quand les Haïtiens, sauf une personne, les profs d'Haïti, on les paye pour qu'ils dispensent des cours. Ensuite, on a des professeurs à temps plein qui sont payés à temps plein pour faire ça. Mais dans la grande majorité des cas, ce sont des collaborateurs bénévoles. Donc, ça veut dire qu'il faut que les personnes se retrouvent dans une logique de donner-donner. Donc, pour recevoir, il faut donner. Alors, ma réponse, très simple, Max. Il suffit de trouver le partenaire qui est prêt à donner, qui est prêt à s'investir dans la chose. Et on peut cheminer avec. Mais on a déjà des étudiants à Jérémie. Okay. Très bien. Avec Eddie, on va essayer de travailler sur ce dossier. On a essayé, hein? On a essayé avec 4 ou 5 personnes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, il y a avec Claude Pierre autrefois, malheureusement. Oui, ça n'a pas marché. En fait, moi je viens du Sud aussi, hein? Je connais la mentalité du Sud. On est très dilettant. Ouais. Dans le Sud, on est très dilettant. Très bien. Hello, boy. Maintenant, le temps presse. On va passer au prochain.
Pour la prochaine question, c'est Michel Le Gagneur. Et Michel, sois un petit peu plus bref parce que le temps presse. Merci. Bon, docteur Pierre, bon, je vais en Haïti et surtout à Milo presque chaque année. Ah, j'ai rencontré plusieurs jeunes. Mon cher, l'un d'entre eux eut à me dire l'année dernière, le docteur Pierre, il a un sens organisationnel plutôt aigu. Je connais ça parce que j'ai eu la chance de travailler un peu avec vous lorsqu'on a organisé le symposium là. Bon. Et puis, à ce jeune d'ajouter, je souhaite qu'on ait un président comme lui. Je souhaite qu'il devienne président. Alors, faut-il dissuader ces gens-là, docteur Pierre? En fait, je t'encourage à le faire le plus rapidement possible. OK. Bon. Ma question principalement. Je peux te donner une raison. Hein? Dans ma réponse, je vais te dire pourquoi. Pourquoi il faut le dissuader tout de suite? Vas-y, Doc. Alors, moi, ce qui me motive, dans tous les pays où je suis passé, parce que j'ai eu des mentors, j'ai eu des personnes qui m'ont guidé, qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis. Et dans tous les pays où je suis passé, il y a des personnes, on les appelle des nantis, on les appelle des intellectuels, on les appelle des élites. Choisissez le nom que vous voulez. Ce sont ces personnes-là qui ont façonné leur société, qui ont fait en sorte que la société ait un nom. Tout à l'heure, j'ai dit à Tillion, Lionel, j'ai dit à Lionel, il n'y a pas un monsieur qui s'appelle Haïti. Haïti, c'est tout le monde. Chacun dans sa sphère d'activité. Eh bien, il y a des gens chacun dans sa sphère d'activité a contribué à ce que sa société s'améliore. Donc, j'aimerais améliorer Haïti. Mais avec le peu d'intelligence que j'ai, eh bien, j'ai pu observer qu'il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens qui ont été présidents et qui ont amélioré cette société. Donc, de deux choses l'une. Ou tu veux devenir président, auquel cas tu prends la voie qui est presque certaine de ne rien faire pour améliorer, ou tu prends une voie autre qui a de meilleures chances. J'ai pris la voie autre. Je comprends. Bon, Emmanuel, est-ce que je vais vous poser une question plutôt simple? Plus simple et très courte, et vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, parce que nous avons encore une autre question qui sera posée, s'il vous plaît. J'ai été choqué, Dr. Pierre, de réaliser que les universités en Haïti n'offrent pas de cours dans les sciences dures, comme en dehors de l'informatique, rien en génie électrique, rien en physique. Est-ce que vous comptez aider à combler ce vide-là dans le futur? Oui, bien sûr. Je vous montre ça rapidement. Regarde sur le site. Lancement d'un nouveau programme d'études de premier cycle universitaire en sciences et en ingénierie. Ça date du 8 mars. Licence en mathématiques informatiques, mathématiques statistiques, mathématiques physique, biologie chimie, génie informatique, génie civil. C'est ça. Magnifique. Très bien. D'accord. On passe maintenant à la prochaine question. C'est le docteur Pinard. Il va poser la prochaine question. Docteur Pinard? Oui, merci. Allô, Samuel? Oui, bonjour, docteur. Bonsoir, ça va bien? Bien, et toi? Ça va. Donc, ma question, j'étais un peu tantôt parlé des universités Barlet aux États-Unis. Oui. Et sans être pémis, j'ai comme question que pour contre quoi les États-Unis ont pu le faire avec les grandes universités, pour faire contre quoi ces universités bolettes en Haïti. J'ai l'impression que l'ISTEA est comme une goutte d'eau dans cette merde d'université bolette. Je me demande jusqu'à quel point il ne serait pas préférable que cette première ordre qui est formée par l'ISTEA serve de modèle, c'est-à-dire qu'on essaie d'inculquer à ces jeunes la nécessité d'aller dans l'enseignement pour pouvoir vraiment grossir cette classe de enseignants qualifiés. Est-ce que tu serais de cet avis-là?
J'ai pas compris la question, docteur Pinel. Est-ce que tu peux le reprendre pour moi, s'il vous plaît? Je me demande si ce cohorte d'étudiants qui va être formé par ICA pourrait servir de lait. C'est-à-dire qu'il serait dans l'enseignement pour pouvoir vraiment grossir cette masse d'enseignants qualifiés en Haïti. C'est pour ça qu'on les forme. On les forme pour la relève. Ce qu'on leur dit, on leur dit, vous avez la chance d'avoir un groupe de personnes qui investissent en vous, mais ce n'est pas pour faire de vous des ayants droit, là. Parce que dans notre culture, on nous a éduqués pour être des ayants droit. C'est d'être fort, j'ai un gros diplôme, et même occuper de bien-être personnellement avec bien-être famille, moi, et je ne restitue rien à la société. Et c'est un peu le sens de l'éducation qu'on a reçue et qui a mal foutu le pays. On a été éduqués pour être des ayants droit. C'est n'est forme qui doit tout bagaille, rien pour bail. Et j'appelle ça une mentalité de boursier. Le boursier, c'est quelqu'un qui passe sa vie à recevoir des bourses, mais il n'en donne jamais. Il n'en donne jamais. À tout âge, il cherche des bourses. Sans jamais vouloir un jour être dans la position de celui qui donne. Alors, on leur forme comme ça. Ensuite, on leur forme à tous les niveaux. Actuellement, j'ai un étudiant qui a fait sa maîtrise avec moi à l'ISTEA, en génie informatique, et qui fait son doctorat. Mais je lui dis, après votre doctorat, vous aurez un poste de professeur à l'ISTEA. Il y a une deuxième qui vient d'être admise, qui commence en janvier, et qui est en train de compléter sa maîtrise avec un stage avec moi à Montréal, à Polytechnique, et qui va revenir pour faire sa thèse. Elle sera aussi professeure. C'est pour former la relève. Parce que, en fait, docteur Pinard, je fais ma part. Eh bien, j'invite les autres à faire la même chose. Parce que c'est trop beau de rester dans sa position confortable et de donner des ordres aux autres. Haïti doit faire. Mais c'est qui Haïti? Haïti, vous faites partie de ça. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour pouvoir avoir la légitimité de dire que les autres n'ont pas fait. Sinon, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai. On reste dans son confort et on se plaint que les autres n'ont pas fait. Alors, il faut chacun faire. Si il y a 2, 3, 4 ISTEA qui se forment en Haïti, eh bien, on aura une grande capacité de former de la meilleure façon possible nos jeunes. Mais il ne faut pas qu'on laisse les autres s'amuser et faire le bal en restant comme spectateur. Il faut rentrer dans le bal et faire sa part. Très bien. Et c'est ce qu'on essaie de faire, sans prétention. Pardon. D'accord, merci. Je crois avoir oublié de présenter un participant. Shalom, je ne sais pas si lui, il a une question à poser. Shalom, c'est un professeur de l'ISTEA qui vit au Québec. Très bien, super. Bienvenue, Shalom. Excusez-moi de vous avoir pas présenté. Son micro est fermé. Ah oui. Je pense qu'on a terminé les questions, donc on va bientôt terminer avec le débat. Donc je voulais juste dire à Dr Samuel Pierre que nous vous remercions de cette excellente présentation et nous vous félicitons pour votre contribution à travers le monde dans le domaine de la recherche, notamment dans les domaines de la télécommunication, en particulier vos interventions sur le réseautique mobile, l'informatique mobile, les systèmes informatiques et surtout la formation en ligne que vous offrez. Vous avez mis en place un réseau qui peut transformer la société haïtienne. C'est un outil d'une très grande qualité. J'espère qu'Haïti saura profiter de votre expertise et la motivation et l'amour avec lesquels vous vous consacrez au rehaussement de la pensée sur Haïti. Alors, je vous dis un grand merci et je ne sais pas si les autres participants ont un mot à dire, un mot de la fin à dire. Hervé. Merci beaucoup, Madame Gilles. D'accord. Moi, un dernier mot que je voudrais ajouter pour le docteur, c'est que dernièrement, j'avais lu quelque part que l'Université de Trois-Rivières à Québec avait mis son nom en ballotage pour qu'il devienne doyen de l'université, de cette université-là. Malheureusement, il a refusé à cause de ses obligations, mais vraiment, j'ai regretté cette décision. Pourquoi? Parce que
Et partout dans le monde, les Haïtiens ont occupé des postes assez intéressants, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore un Haïtien qui est doyen d'une université. J'aimerais que ça arrive un jour, surtout pour Samuel, ce serait très intéressant. C'est bien malheureux. Oui. Hein, Samuel? En fait, ce qui est arrivé, ils m'ont offert de proposer ma candidature parce qu'ils voulaient que je sois leur pion là pour être recteur de l'université. Maintenant, et moi, je suis embarqué jusqu'au cou avec la formation en Haïti. Et la principale raison pour laquelle j'ai décliné l'offre, et ce que j'avais à faire ici, je l'ai fait. Ce que j'avais à faire là, tout le monde reconnaît que ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait à date, j'ai donné le meilleur de moi-même au Canada, le meilleur de moi-même. Et bien sûr, ils m'ont retourné l'ascenseur, ils m'ont donné toutes les reconnaissances possibles. Et donc, ce qui me reste à faire, eh bien, c'est Haïti. C'est bon. Très bien. Je pense qu'on devrait avoir une autre séance exclusive. Il semble qu'il y a une question, Emmanuel. Non, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. En tant que... Vas-y. Eh bien, je voudrais ajouter mon dernier mot à ce éloquent speaker. Donc, au nom du réseau d'Haïti Connection Network, je voudrais quand même vous remercier pour nous avons beaucoup appris de vous et je suis vraiment d'accord avec ton slogan, votre slogan, Haïti n'est pas Haïti, c'est nous Haïti. Et nous devons vraiment tous faire en sorte que nous travaillons au développement de ce pays. Et merci encore une fois. Donc, Emmanuel? Ben oui. J'allais te donner le dernier mot, mais moi, c'est l'avant-dernier mot. Je pense que vraiment, je souhaite avoir une autre séance exclusivement sur Istea avec le docteur Pierre. Et j'espère que c'est juste la première parmi une série. Donc, voilà, docteur Pierre, félicitations et merci pour cette audience. Donc, merci beaucoup, Madame Gilles, et merci à toute l'équipe de Haïti Connection. Merci. Incluant mes amis. Incluant mes amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, les amis. Bye bye. Bye bye. Bravo. Merci. Bye.